Chers élèves de première et de terminale, les épreuves du baccalauréat commencent en ce mois de juin. Le baccalauréat professionnel, le baccalauréat général, le baccalauréat technologique et les épreuves anticipées de français. Et à cette occasion, je tenais à vous présenter tout simplement mes vœux de réussite. Il est normal que vous ressentiez un petit peu d'appréhension avant l'épreuve. C'est même en réalité normal, parce que c'est souvent ce qui permet de donner le meilleur de soi-même, avoir un peu de trac. Le jury est là pour vous faire réussir, pas pour vous piéger. Le baccalauréat, c'est un moment de passage, c'est un rite républicain dont vous vous souviendrez toute votre vie. Et quand vous l'aurez passé, je suis assez sûr que vous serez fier de vous, parce que tout simplement, vous aurez vu les résultats de votre travail, de votre effort, de votre persévérance. C'est le sens aussi du mélange du contrôle continu et du contrôle terminal. L'effort en continu et la capacité à se dépasser à certains moments. Le baccalauréat, c'est un accomplissement. L'accomplissement non seulement d'une année, mais aussi de l'ensemble de votre scolarité. Mais c'est aussi une étape qui ouvre un nouveau cycle pour chacun d'entre vous. Il y a ceux qui poursuivent leurs études dans l'enseignement supérieur, ceux qui choisissent le monde du travail. Mais quoi qu'il en soit, le but, c'est que vous réussissiez dans votre vie personnelle et professionnelle grâce aux compétences acquises pendant tout votre parcours. Alors faites-vous confiance, vos professeurs vous font confiance, l'institution vous fait confiance. Je vous souhaite donc une grande réussite. À bientôt.